Bandi vivant ensemble yo rend malheureux malheureuse la vie impossible. Gyo malheureuse malheureusement qui gen 13 chamkay qui passe en bas gros flamme di fe. Bandi yo boule l'école Freno qui trouvel nan Port-au-Prince là. Rete là parce que c'est révolution yo te promet comme Moïse Charles te di yo nous met craser nous met briser après ça l'a aider nous reconstruire. Bon. Gros de bosa répété dans le conseil présidentiel pour transition. Parti politique Petite Dessalines sanctionné Moïse Jean-Charles qui prend décision sans autorisation reste bio li décider voyer Parti politique Petite Dessalines dans CARICOM. Tenez bien, Moïse Jean-Charles entravé. Entre-temps, gen gros chirepit nan mitan membre conseil yo qui té doué faire un vote pour prendre youn nan sept membres conseil présidentiel transition pour Kevin président. Répété élection ça envoyé. Rete là m'bral pour combien de temps yo envoyé élection qui était supposé faite pour te prendre youn nan sept membres yo pour te ka président pays d'Haïti. Qui sont gen pour aujourd'hui là si m'ta di ou entre Gérard Gilles Fritz Jean avec Edgar Leblanc, qui est notre trois moun sa yo qui t'a supposé président conseil là pour sortir Haïti dans la crise qu'elle tombe là. N'a fait émission ensemble et pendant m'a parlé ou m'a réfléchi pour prendre notre trois moun sa yo qui est moun qui t'a supposé jouer une crédibilité pour président pays d'Haïti pour retirer Haïti dans la crise qu'elle tombe là. En partie ensemble. Bandi vivant ensemble yo il a fait révolution. C'est révolution te prôné et c'est révolution a fait. Mais les m'garde révolution bandi vivant ensemble yo yo fait révolution contre malheureux malheureuse. Parce que révolution qu'a fait là c'est malheureux malheureuse qui plus victime dans révolution bandi vivant ensemble yo. Yo boule, yo déchapillé, yo fait déchoukay. M'ap tande yo malheureuse k'ap kriye derando deran la rime qui tombe entre dans cette longueur maman Guy Philippe qui t'a annoncé révolution. Mais il dit oui, Guy Philippe t'a annoncé révolution, mais l'elle gade, c'est sous lui malheureuse révolution en fait. Pharmacie boule, yo déchapillé en de pharmacie. Yo crasé, yo brisé. Gon parking nan ki te gen environ 50 à 60 machines qui te stationnent dans le parking nan, yo boule. Tout ça, c'est bandi vivant ensemble qui a fait révolution contre malheureux malheureuse. Kounya m ka di, est-ce que c'est malheureux malheureuse yo qui rend pays a invivable? Non. Est-ce que c'est malheureux malheureuse sa yo qui a fourni bandi zan avec balle? Non. Est-ce que c'est malheureux malheureuse sa m'a gade là? Est-ce que c'est dans le système? Non. Bandi vivant ensemble, ils ont annoncé la révolution avec Guy Philippe, mais Kounya là, c'est malheureux malheureuse qui est victime en bas de la révolution bandi. C'est grave. Je vais regarder les dames qui ont crié. 13 chambres qui ont passé en bas de la gauche. Plusieurs autres qui ont encore passé dans le quartier là, ils ont boulé. Je vais me demander, côté ça va aller. Même l'école, oui, bandi au boule. Malheureusement, l'autre petit monde dans la rue là, pas de monde qui a voyagé sur yo, pas de monde qui était pour responsabilité, pas de mon frère Lixon qui t'a pris dans la rue, météo, l'école. C'est peut-être ça qu'ils ont attaqué l'école. Parce que l'école n'a pas été loin. Ils n'ont pas de chance pour aller à l'école. Ils ont toujours la bourgeoisie, ils ont le secteur politique là. Ils ont fait politique dans le pays d'Haïti, ils ont fait pour l'élection. Ces armes, ils ont été au Kembe. Au lieu son crayon, au lieu son plume, au lieu son bateau crée, ces âmes-là ont été gagnées dans mes yeux, ces hommes-là qui ont boulé l'école. Hein? Révolution qui est-ce que vous avez fait là? La fête contre le peuple là? Dans l'école, même l'église n'est pas épargnée. Mais nous sommes dans la semaine sainte. Hein? Ça est là pour tout le monde d'après dans l'église là, parler de cette parole Jésus à la croix, chaque jour après ton parole, faire tirer un veille là, dans l'église là, pour pouvoir prendre. Qui sacrifice Jésus était avec nous pour te mourir sur le bois du calvaire. Mais non, au lieu ça, bandi on met différent dans l'église, il met différent l'école, il met différent dans malheureux malheureuse, révolution contre malheureux malheureuse. Pour tout ça,
c'est Guy Philippe, moi Jean-Charles qui est responsable. Moi Jean-Charles t'es lancé hein révolution et bandits ont venu dans la révolution là. Révolution ça fait contre malheureux malheureuse et puis tout bandits ont venu joindre. Ils ont force hein côté Guy Philippe dit comme ça aussi tu viens président la baie amnistie. Qu'on a bandit au gars assez de puissance, il a assez de courage pour frapper parce qu'on est aussitôt Guy Philippe vient président là, il y a réintégré société là, même que nous tendez et comme c'est Miskane dit, amnistie pas qu'à faut pas mourir en tant que gang. Qu'on y a là, nous venons de nous Moïse Jean-Charles qui dit comme ça, crasé, brisé. Après ça, l'a contacté la Russie qui bat Venezuela pour aider nous reconstruire pays. Où t'es amis là? Bon, dans bon pays là, attends, mais déclaration ça qui fait là. Et puis là, ou garde ça, bon Dieu a fait là, Moïse Jean-Charles Casposan en bas quoi, attends, seulement déclaration ça. C'est lui qui te demande pour craser. C'est lui qui te demande pour briser. Et vraiment vrai, yo crasé, yo brisé. Et qu'est-ce qui victime? Malheureux, malheureuse qui victime. Révolution ça, li vise malheureux, malheureuse. Au lieu d'attaquer moun ka bay zam nan pays d'Haïti pour faire révolution sou yo, mais plutôt c'est malheureux malheureuse ka victime en bas révolution bandi vivant ensemble yo. C'est grave. Entre-temps, Debouza pété dans conseil présidentiel pour transition. Parti politique de Saline et yo parlé. Comme dit bien, c'est un père qui gagne une nouvelle là. Il fait partie des membres et petite Desaline mbra le bon monsieur pas la li monter sur réseau là li fait connait pas m'a rappelé c'est monsieur le père Amos George li c'est porte-parole ak responsable éthique en dans plateforme politique petite Desaline li dit li prend décision là pour sanctionner Moïse Jean-Charles lui vous entendez bien. Il prend une décision pour mettre sous banc secrétaire général parti politique petit de Saline Moïse Jean-Charles parce que Moïse Jean-Charles font des ordres pour poupée Amos George. Il fait qu'on est Moïse Jean-Charles qui c'est leader, il décide, attendez, il décide voyer un représentant dans le conseil présidentiel CARICOM là hein. Tenez bien, il fait qu'on est Moïse Jean-Charles pas gain droit prend aucune décision dans non parti politique là jusqu'à ce que yo gain yon convention qui fait d'après ça Père Amos George fait qu'on est toutefois cause les plus que ça ne pense à travers déclaration Père Amos George fait qu'on est là, lui mette Moïse Jean-Charles sous ban à cause Moïse Jean-Charles pas gen ni loi pour le voir représentant dans conseil présidentiel CARICOM mette là. Attendez bien, je fais qu'on est Père Amos et à travers des gars ça il fait là tête mi c'est pas fini tellement droite, il va finir tellement cordium hein, il va finir tellement cordium, je va prendre ça le dire au sérieux parce que je fais qu'on est Père Amos gen trouble mental depuis quelque temps hein, depuis quelque temps Père Amos gè tout mental, nous pas j'aime dire ça mais c'est là il prend décision pour flanquer Moïse Charles Souban qui trahit bataille peuple là, qui trahit Guy Philippe, c'est là ça n'a connait Père Amos gè la trouble mental depuis quelque temps. Attendez bien, il va prendre monsieur au sérieux, il fait connait Père Amos pas sérieux dit tout hein, il pas sérieux. Entre-temps, si Père Amos pas sérieux, mais pour qui ça lui prend décision dans non parti politique là? Et ceci, lui toujours porte parole. S'il pas s'il gagne trouble mental, retire en tant que porte parole, mettez le sous lui-même. Les li bon, les vin jeune, les vin guéri tout bon net. Là il ne peut placer en tant que porte parole. Mais qui je fais c'est l'elfin sanctionné Moïse Jean-Charles, c'est l'elfin ça dit oh oui, lui gagne trouble mental, nous va pas ça dire au sérieux, c'est patati patata. Hein? C'est grave. Et qui t'aime faire nous connaître tout. Hier soir là, nous manquons levé. Et je dis à moi, c'est mardi 26 mars. Nous manquons levé avec un président de pays. Hein?
nous avons élevé un président parce que hier soir, tu as une élection qui t'est faite dans le temps 7 membres bio pour te choisir un monde parmi 7 membres bio qui t'est supposé président pour te venir diriger le conseil là. Et c'est lui qui t'a gagné toute responsabilité en tant que président dans le pays d'Haïti. Pendant l'élection ça a fait là, discussion pété, bataille m'a été faite pendant il va le voter. Mais il y a trois mouns, trois non mouns qui sont bien forts pendant l'élection. C'est Gérard Gilles, Fritz Jean, avec Edgar Leblanc. Trois mouns ça y est. Et nous commençons l'émission. Nous disons, entre trois mouns ça y est, qui est une société là, qui est ce moun? Nous remarquons qui t'a supposé président, mais qui a une crédibilité peuple là pour président. Pays. Ma praplo, gen 9 membres en conseil ça. 7 ap la, et puis gen 2 et m'te ka di ka sou kote pou ka gade si nèg yo a bien fait travail yo. Ma praplo non nèg sa yo et m'a gen ou la devant nan, na gade sou écran. Nou gen Smith Augustin qui représente parti politique et ancien PM nan, mwen connais c'est parti pour aider Claude Joseph. Nous gen Louis Gérard Gilles qui c'est accord 21 décembre. Nous gen Fritz Alphonse Jean qui représente accord Montana. Et ensuite nous gen René Jean Jimo qui sorti qui c'est représentant RNE. Et puis tout nous gen Fritznel Joseph qui c'est organisateur organisation société civile là il est représenté et nous gen Edgar Leblanc fils qui sorti dans collectif des partis politiques du 13 janvier. Nous gen Laurent Saint-Cyr qui représente secteur privé hein, privé des affaires. Nous gen Emmanuel Vertilaire qui représente Moïse Jean-Charles, parti politique Petit Dessalines. Nous gagnons Leslie Voltaire, qui c'est famille Lavalas. Mais, dans l'élection, il y a trois noms qui sont là, je vais regarder sur l'écran, ça nous est entouré avec écriture là. Nous gagnons un petit vaisseau, c'est trois mouns ça yo. Et nous te dit, nous te posons une question, en trois mouns ça yo, qui est ce moun qui t'a souhaité une crédibilité pour président? Pays, Gérard Gilles, Fritz Jean et Galibla. Ou même kap gade émission ça, kap tande. Ou même ou ka choisi un moun, n'a fait sondage là, dans trois moun sa yo, qui est ce moun noue qui gagne assez de crédibilité pour diriger pays pendant transition ça. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour qu'on ton l'autre dossier, Babi Chanel. C'est pour Audition 69, on est pour liker, abonner, peser sous cloche notification, retirer sous personnalisation sur tout pour les nouvelles vidéo pour pas rater. Jovni Duplan, policier et 27e promotion dans la police nationale là, qui sont aussi dans Simo, c'est corps d'intervention maintien d'ordre et il y a plusieurs autres agents qui t'a accompagné lui et qui t'a navé qui lui qui blessé tout et puis il dit attaque ça selon un nouvel lieu qui vient venir selon Espagnol la poste Junior Jean-Baptiste lui fait dans niveau Carrefour Vincent plein de kilos de sac selon ça et Lionel Lazare qui c'est coordonnateur Sinapora lui-même lui confirmé t'a gagné attaque qui fait contre un commissariat ou bien base BIM dans Claircine. Avant même nous venir dans micro là moi parler avec plusieurs sources dont des responsables dans toutes des associations ou bien syndicats qui gagnent de la police te reprend contrôle situation hein, mais acteurs toujours parlent en pile après moi Ariel Henry et campé loin Junior Jean-Baptiste. Justement situation a toujours été très désolante en Haïti ça a privé yo attaque contre centre-ville Port-au-Prince, attaque contre policiers ça qui perdu la ville, c'est des signes palpables qui montrent que
la crise haïtienne, l'irrité totale, l'irrité entière, au-delà du fait que vous cantez la parole, au capable de constater que le processus pour installer CPA y a suivi coulé, et même si nous sentons que Barrière la gagne un petit plomb dans elle, mais ça n'a pas changé rien dans la narration politique pays. Ça n'a pas changé rien dans la narration crise là. Et c'est cette urgence-là que nous espérons. Nous avons toujours souhaité que les acteurs comprennent l'urgence ça. Urgence de un pays qui a mouru. Urgence de plusieurs millions d'Haïtiens qui ont souffri. Urgence de un peuple qui simplement mandé et toujours mandé depuis 30-40 ans. Il y a un renouveau dans la façon pays à marcher. Il y a un renouveau dans la façon pays à gouverner. Il y a un renouveau dans la façon l'avenir pays à t'as supposé à dessiner. Mais cette quête de renouveau que pays a toujours, la grande population toujours et toujours exprimée, l'est toujours manifesté, Ismaël va l'ester. Pas ça que moi, il y a un ras-le-bol des politiciens. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol manifeste de l'oligarchie politique et de l'oligarchie économique. Deux groupes d'acteurs qui t'as supposé comprendre la nécessité pour changer pays à page, mais qui pas jamais arrivé imprimer ou bien insuffler une nouvelle dynamique pour bailler pays en l'autre direction. Donc, peuple-là, constater ça, malgré l'envie ça, et vous avez l'impression, à chaque moment, à chaque période, peuple-là bafoué, espoir-là bafoué, attente-là pas comblée. Ils viennent davantage désespérés, ils viennent davantage pas faire confiance dans les politiciens. Donc, je dis, ça n'a vivre là, avec les groupes criminels qui, capable de dire, je dis, parce que c'est des terroristes et vu et ampleur crime qu'il a perpétré sous des civils sous des zones entières dans la région métropolitaine non gens qui ont bloqué la vie depuis 3-4 ans, ils ont bloqué les principales routes nationales de ce pays. Donc c'est une situation qui est explosive qui demandait des réponses urgentes et nous-mêmes on constate ça. Ça n'a toujours dit, il n'a toujours demandé sans arrêt. Faut que acteurs comprennent nécessité pour nous soutenir dans ça. Faut que acteurs politiques comprennent que un pays qui a mouru. Je dis à Ismaël Valistin, n'a pas eu de policier, un policier qui mourit, que bandit tué de en bas la ville. Que monsieur massacré. Regardez Luberis par exemple qui dit, Reynald Luberis, ancien secrétaire général du conseil des ministres sous président Moïse, Jovenel Moïse, qui dit, pas qu'à des questions amnistie pour bandit. Soit au tué, soit au aller dans la prison. Il nous constate de plus en plus de voix qui a fait comprendre que, ou pas qu'à des amnistie pour des criminels de cette envergure qui pas respecté la vie femme enceinte, qui pas respecté la vie tifi 10 15 16 ans, qui pas respecté la vie qu'un monde. Donc ça pour nous faire Ismaël, ça nous doit faire parce que m'a appelé pendant week-end là moi-même ça pas étonné nous même bagaille là comme citoyen comme journaliste qui passionné de pays et de destin pays bagaille là on dit j'ai mangé comme elle a mangé en dame. Parce que, regardez ça, Abinader décide dans le contexte que le pays n'a pas de vol. Tout est porté au fermé, pas de dirigeant. L'État à genoux. Mais moi, Juno, et la dernière nouvelle selon un média dominicain, moi, fait consulter là. Vous cantez la parole. Selon Diario Libre, et qui citait direction de l'immigration. Tout citoyen haïtien qui gon visa américain à jour, non seulement américain, ou bien d'autres pays,
sont capables de transiter par la République dominicaine pour atteindre destination finale. Yo. Selon Diario Libre, un journal dominicain, il cite la direction de l'immigration dominicaine. Maintenant, tu vois que ça a été décidé pour ASEC résidentiel. Des Américains, des Haïtiens qui ont résidence américaine, qui étaient supposés passer demain pour atteindre les États-Unis. Alors, même pendant tout le temps, ça, Gino Jean-Baptiste, maintenant, Edwin Barrezon, ancien ministre haïtien qui vivait à l'étranger, maintenant, de lui, dit quoi, Dominicain, de lui fournir plus d'explications sur ça. Mais, je ne me rappelle pas, un journal dominicain qui a rapporté ça. Mais, comment ça fait ça, Valestin? Je dis à toute attitude raciste, xénophobe que Dominique qui est incarné par Abinadel, affiché vis-à-vis d'Haïti, du peuple haïtien, c'est d'abord la faillite morale de ce pays, la faillite politique de ce pays, la désarticulation de l'État depuis 40 ans, qui fait, qui bat des justificatifs pour agir comme ça. Parce que Dominique lui-même, ou bien Abinadel, dans sa tête, comme monde qui a dirigé pays ça, qui a dirigé la Dominicanie. Là regardez la caou. Li wè là depuis 2018 à jodia, ça n'a fait la caou nous. Comment ces gangs qui a dirigé? Comment faillite là? J'aime ça dire là, la faillite de ce pays est à tous les niveaux. La faillite morale surtout. Hein? La faillite politique, la faillite économique. Il faut que nous toujours insistions, Valestin, sous faillite morale, sous faillite institutionnelle. Parce que, sans faire d'amalgame, sans faire de digression, Ismaël Valestin, regardez ce qui passe là, hier, et Sénégal. Président Macky Sall voulait rester sous pouvoir jusqu'à novembre 2024. Il prend majorité, que le Parlement sénégalais, il fait majorité à voter une sorte de décret qui vous balle une prolongation de mandat. Eh bien, la Cour constitutionnelle de ce pays casse ses décisions. Et les forces vives de la nation, ils disent, bon monsieur Sall, ou pas qu'à bailler mandat ou là en prolongation. Oui. Constitution a dit faut qu'on aille le 2 avril ou après le 2 avril. Ils font dialogue sous la houlette de forces vives, forces morales sociétaires, ça qui est bagarre en Haïti. Ils ne m'entendent. Ils baillent tout petit monsieur qui est en prison, qui était en prison parce que tu as bataillé sur Macky Sall, ils baillent, ils libèrent. Et puis, ils font élection en moins de 15 jours. Ouais, je dis à monsieur Diomaye Faye, gagné élection. 44 ans, jeune garçon. C'est que. 43 ans. C'est-à-dire qu'Ismaël, les forces morales, ils ont existé. Les forces vives, les gardes fous, ils ont existé dans le pays. Ils ont dit, Macky Sall, vous prenez 3 mandats là. 12 ans. 3 mandats. En 3 mandats, soit il faut faire déjà. Ou pas qu'il y ait eu 6 mois de prolongation. La Cour constitutionnelle de ce pays casse les décisions que le Parlement te prend. C'est-à-dire, Valestin, le plus grand combat qu'il faut mener dans ce pays, et je pense que nous avons un brillant article de M. Ewald Jean-François, c'est bâtir institution, yo, construire institution, faire fort, faire autonome. Lors, il fait le conseil, Valestin. Et puis, nous avons jeunesse toute pas divisée. Tout à fait. Lors, il fait le conseil, Valestin, automatiquement, gon divide le problème qui résout. Ouais. Parce que Macky Sall a été la prolongation à travers la majorité dans le Parlement. Ouais. Il connaît la prolongation pas légale. Il connaît ça. Ouais. Mais comme la Cour constitutionnelle. Si pas le passé, la Cour a cassé son mais là, il connaît une instance 4 temps qui a pris une décision. Yeah. S'il va me passer, ok. La Cour a cassé. Comme la Cour prend une décision, il casse. Il casse, il coube. Il coule. Il coube. Il fait élection rapide. Fin mars, on fait élection. Et un jeune garçon qui vient président. Donc la démocratie sénégalaise, elle est vivante. Et on regarde tout article de presse pendant la journée. Tout pour Abdou, la démocratie sénégalaise, était un exemple en Afrique. Était un exemple en Afrique. On ne connaît que coup d'État, instabilité politique. En pile de zones, en pile de bigadage, dans pile de pays en Afrique. Mais Sénégal, il mène tout qui est bon cap depuis 30, 40 ans. Et on voit ça manifester dans l'économie pays, dans le PIB pays, dans tout le chômage pays. C'est-à-dire que faut Haïti fait virage ça. Il y a un virage. Et toi et moi, Valestin Junot, faut que nous disions chaque jour, faut que le pays fait un virage vers la stabilité politique qui a axé autour de nouvelle classe économique et politique qui a composé deux hommes et deux femmes qui sont capables parce que Haïti, peuple haïtien, méritait mieux.
Oui, Jovenel Moïse s'est dit stabilité c'est premier bien et commun de toute société. Mais malgré ça, acteurs politiques n'ont pas arrivé et comprendre ça. Et Michel, première déclaration le fait à l'âge de 43 ans, il dit déjà président Sénégal là, Diomaye Faye, il déclaré, il dit Bukate Sénégal après été un allié sûr et fiable pour tout pays qui respecte tête. Et ouais, concurrent principal là, candidat Macky Sall, salut victoire. Oui, salut victoire. Qui l'a Haïti à battre niveau ça? Bah, non, bataille, ça. Qui l'a Haïti à battre horizon ça? Non, son horizon qui est inatteignable? C'est ton horizon atteignable. C'est bataille pour ça, Ismaël Badistin. Quand on t'a passé là, on t'a pu te bouler pays, mon cher. Quand on t'a quitté arrivé là, on t'a bouler pays, habito. Mais nek ça a oublié pays ça. C'est là-dedans la ville de l'opposition. Hein. Pour le fond opposition, il faut le pays qui existe. Et ça crée les failles politiques là. Mais nek qui ça lié? Mabadou Doumbaya, président. Transition jeune militaire au Guinée-Conakry, li salye l parce que on constate je dis continent africain un gros virage l'a fait là. Le gade Burkina Faso, Niger, le gade Guinée-Conakry, le gade je dis Sénégal. Donc c'est moun sa yo. Yo ka toujours déplacer Juno Jean-Baptiste. Mais on connaît la caillou après été Sénégal, la caillou après été et Guinée-Conakry, la Brété Burkina Faso, la Brété Niger, qui différent de nous-mêmes. Puis gros fierté, bon, je vous dis à début au mois, fierté ça a tombé. Tout le monde s'est arrêté mourir là, même sous malade, n'importe maladie qu'on gagne. Rété rentré avec là. Si t'as dérangé, que ça t'a dérangé, nous va excuser. Mais sur façon pour montrer, je me frustrer moi-même. Parce que puis gros fierté pour nous là, mais toi tu américain là madame va la coucher là-bas son fierté pour un bon nèg qui a fait politique ici pour un bon nèg qui dans secteur privé là c'est dit au voyager pour rentrer lundi pour rentrer dimanche matin pour mon venir chercher c'est plus gros fierté haïtien ouais au voyager et puis l'autre pas qu'à voyager mais je dis on apprend film dans là nous tout apprend film dans là nous tout a passé là et ça si on pas sans honte j'ai fond pas faire avec tête nous si nous ne pouvons pas faire 100 euros, nous ne pas faire. Radio. Si nous n'avons pas de malade là, là, nous n'avons pas de passer. Nous allons à l'hôpital pour nous aller. Mais alors, nous faisons approche Juno Jean-Baptiste, puis il a trépassé pendant Renal Libéris, lui-même, lui, en position par rapport à ce qui est en train de se faire. Mais je dis que nous allons dire que nous allons dire que nous allons dire que société allons dire que sympathie, tu qui doit sympathiser avec nous. Mais nous vivons trop arrogants. Nous vivons trop arrogants envers la société. Bah, on est en train de chercher. Mais pas gagner là dans le pays pour nous craser brise encore. Pas gagner. Mais pas quoi c'est ça n'a fait qui va le mettre dans une position pour venir négocier avec nous. Vous connaissez la capacité déjà. Boucanter la parole et a obligé négocier avec nous. C'est ça que fait. Moi apprendre n'importe gouvernement qui a bougé pour nous là, il va renforcer CNDDR. Et au cas même moi venir avec un secrétaire d'État intérieur tout pour aller parler avec nous ça yo. Donc c'est pas ça n'affaire qui va le faire moun venir parler avec nous. Yo connaît faut parler avec nous, yo pas quatre pays pas quatre déraciner toute gang yo. Payant qu'à déraciner tout gang yo. Mais pour que ça n'a pas semé la poudre comme ça. Nous avons société écrasée déjà. Pour que ça toute bataille ça. Ça ne pas rendre compte toute bataille n'a fait là. Il y a des gens qui n'ont pas alimenté. Il y a plus une bagaille pour l'audience. Il y a plus une bagaille pour l'audience. Alors que nous devons payer. Donc si nous voulons société à reconnaître comme si nous c'est des marginalisés. Nous c'est des gens qui utilisés. Mais il ne faut pas nuire société à trop. Même société ça n'a pas défendu. Même moun ça nous n'a goumé pour yo, moun qui cité soleil, moun qui village, moun qui gravine, moun qui dans ghetto, nous dit n'a fait bataille pour yo. Nous fait river côté, y a mal vivre, y a courir toute journée. Toute journée y a courir. Donc ça dit faut river côté si n'a
observons trêve pour moun a mandé pour nous, pour moun a posé question ça monsieur dame yo devenir. Mais pas chaque jour même moun nous dit n'a défendre nous yo mais dans courir encore. C'est toujours dans courir. C'est toujours dans courir. Et Soline toujours dans courir. Et Matisse toujours dans courir. C'est Cité Soleil toujours dans courir. C'est village toujours dans courir. Même si jodi a en Haïti pas gagné zone privilégiée, je vous Baptiste tout vous me cedo. OK, tout vous me cedo. Même ta vle vle dit ça, monsieur Gezam nan men yo a, si nous plaider pour amnistie, si nous plaider pour yo faire nous grâce, diminuer la peine nous devons prendre, faut nous commencer baisser bouche zam yo. Mais même personnellement pas vraiment des monde virer bouche zam sous l'autre monde non. Pas vraiment des monde virer bouche zam yo sous l'autre monde non. Pas rien droit ça. Parce que la vie trop précieuse Junior Jean-Baptiste, la vie moun trop belle. Pour apprendre l'autre monde viril, on t'a dit nous baisser bousamio même dans la parole. L'en baisser bousamio, nous qu'a toujours été avec un grain nan men nous pour nous défendre tête nous au cas où on va le négocier avec nous. Au cas où on va le négocier avec nous. Nous qu'a toujours fonti kembe un grain pour nous défendre tête pas nous, mais on faut baisser bousamio. On pas connait qui plan lié. Mais là des patchs en bas la ville comme ça, ça me bagarre là même. Mais qui est là qui pas gon souvenir de en bas la ville Junior Jean-Baptiste? Qui est là qui pas gon souvenir de bicentenaire? Qui est là qui pas gon on souvenir de grand riz? Classique chérie. Le chita là Junior Jean-Baptiste toute période de Jovenel Moïse, on moun kay nan classique oui. Classique son bar son l'hôtel qui sous grand riz à Mengombel là dedans comme si ou je n'importe des sans télévision by match. C'est là pour nous chita. Et vous capable avec un dominicain tout. Vous capable avec un haïtien. Tout 2017-2018. 2016, c'était ça réalité là. Mais souvenir ça yo de nek ki chita en bas la ville là, calme qui connait go manger qu'a paré à minuit, qu'a fini à 4h du matin, ça yo c'est des souvenirs qui marquent monde. Moi même toujours en position sous en bas la ville Junior Jean-Baptiste. C'est celle nous qui gen ville nous central pays a capital pays a pour nous accepter et nèg exam qui domine l. Mais comme yo qui contrôle là faut l'état gon façon li aborder dossier mais monsieur tout c'est pas l'impression non parce que gon côté n'ka arriver pas négocier avec nous encore yo capable négocier avec nous encore parce que pas oublier nous était des forces qui pas légal. Si nous paraît trop arrogant, nous pas mettre dans condition pour négocier avec nous, yo ka utiliser la force laisse ça contre nous. Justement, c'est-à-dire que même si faut que nous toujours rappeler que et même si nous gang yo et ces derniers temps, on capable dire atteindre une certaine autonomie vu l'agent salio accumulé ces 4-5 dernières années dans kidnapping et dans l'autre commerce illicite, yo ils viennent développer peut-être pas une certaine autonomie par rapport à leurs financeurs ou bien monde qui toujours à opérer en sous-main yo. Mais je dis nous capable constater tout que nèg cap opérer en sous-main yo pas loin tout gain des monde des nèg des hommes et des femmes qui a opérer en sous-main qui croient que c'est Kawa, nous déjà dans Kawa généralisé, faut que nous amplifier davantage Kawa. Et si Kawa amplifie davantage, peut-être nous capable bénéficier de amplification Kawa. Donc il y a des politiciens là, ou bien il y a des politiciens qui croient comme ça, qui croient que tout temps groupe gang yo capable davantage et installer plus de terreur en d'un pays là et faire maximum, faire davantage de dégâts dans la société là, ça capable arrivé à la fin de la journée à une sorte de chaos total et puis la butilio c'est ça vous voulez quoi c'est ça vous voulez comprendre sauf que faut que nous disons aujourd'hui ça qu'a négocié ça qu'a planifié pour pays là tout ça qu'a fait là autour de CARICOM autour de conseil présidentiel c'est les États-Unis et le Canada qui a la manœuvre. C'est une honte. C'est un naufrage collectif. J'aime dire dans le micro ça depuis des semaines. C'est un naufrage collectif pour Haïti, pour l'histoire de ce pays, pour
pour les grandes conquêtes que pays ça tes premières nations noires qui fait dans monde là. Je dis à c'est un naufrage collectif lorsque nous constatons ça. Par contre, au-delà de naufrage collectif, que me dit qui fait que c'est CARICOM, c'est Canada, c'est Trudeau, c'est Blinken qui a décidé de dessiner pays. Si plan CPA va marcher, il y a un plan B. Et le plan B, c'est pas installer un chef gang comme président. Le plan B, c'est pas livrer pays à un chef gang. C'est-à-dire que moun qui a financé gang yo, moun qui en soumet qui espère davantage que gang yo frapper tout si reste l'état ça à terre. Hey, ne pas capable bénéficier. Alors plan B a pas même la venir. Non, quand je vais ouais, qu'a fait dialogue, pas la venir non. Non du tout. Que peut-être c'est que on vous a dit ça. Si a bon plan B, il pas prendre dialogue, non fait ça. Non du tout. La parole. Parce que y a bonne possibilité pour nous entendre non. Du tout. Moi j'ai des monde penser comme si c'est n'a supporté CP. N'a fait radio. Et n'a pas ni mon talk show qui relie boucanter la parole. Des millions moun attendent Jean Jean-Baptiste. Nous pas ka vinn là pour n'a inventer cause pour moun. Jusqu'à présent, l'international là nous elle la CP à travers CARICOM, c'est lui qui a parlé. Bon divide l'autre proposition sur table là. Il y a des moun qui croient au calé dans cassation, il y a des moun qui croient pas connait. On pas quatre propositions sur table là. Mais je dis même l'international là via CARICOM la prône on CP. Ça veut dire c'est sous lui pour nous rester, c'est lui qui d'actualité. Nous pas nous pas imaginer au monde nous-mêmes. Et puis tout va les saints. Dans tout pays sous la terre, presse là a un rôle d'éclaireur pour le jouer. Et ces dernières années, grand pile naufrage, grand pile défaite de la presse comme qui t'a supposé un contre-pouvoir. Même parce que des efforts qui pour faire pour que nous éclairions mieux davantage. Parce que moi me rappeler ça en pile pour comprendre les mots de ce pays là. Faut regarder question ça qui est fondamentale. Question éducation et taux d'analphabète que pays a gagné. L'autre dit mot c'est M A O X. Tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Valestin. Dans la région, la révolution castriste, ça le fait à Cuba. Ça le fait à La Havane. L'hypothèse en bagarre qui c'est faut tout le monde gagne même chance, opportunité égale, égalité sociale. Faut que tout le monde capable d'aller à l'école. Donc c'est une révolution communiste qui atteint tout ça l'atteint en plus de 60 ans. Dans des pays en Afrique, pas jamais oublier que l'Afrique processus décolonisation après amorcé en 1958. Même pays qui était plus bas en Afrique que Haïti te qu'on a voué aide bayo par un transfert, par une expatriation de experts en question d'éducation, de chercheurs, de sociologues, d'enseignants. Pendant tout moment, dictature du Valéris là, pays ça a levé pied dans la question éducation. Parce que vous comprenez que ça qui fait qu'un citoyen capable de décider pour tête-li une meilleure directive, bay pays une meilleure directive, c'est éducation. Je dis Haïti, taux d'analphabète là, il atteint des proportions alarmantes autour de 80%. Haïti parce que number one, la question ça sur la terre. Tout pays sur la terre. Cela dit que presse là effort que presse haïtienne a gagné pour faire, il vient double par rapport à effort que la presse française, la presse américaine, la presse sénégalaise ou bien la presse dominicaine a gagné pour faire. De jeunes peuple qui éduqué, un peuple qui a progressé. Éducation a progressé la caillou. Mais nous-mêmes Valestin, pas jamais gain débat ça ou fait dans radio. Comment est-ce possible qu'en 2024 on pays capable bien 80% analphabète? Comment faire en 2024 nous disons on a fait démocratie côté c'est la majorité qui a décidé qui a délégué pouvoir que le gagne bail yon moun parce que ça c'est la démocratie nous prend pouvoir nous délégué bail c'est comme président nous disons à l'exercer pouvoir ça non. Comment est-ce possible que moun sa ou ka prend pouvoir ça pour bay Palestin ou bien Juno a exercé le nan yo nous pas jamais voyager garder moun sa yo au contraire j'ai l'impression
vous avez l'impression, pas de son affirmation, non, vous avez l'impression que la société a une certaine jouissance, une certaine jubilation pour garder 5 à 6 millions haïtiens par contre lit. 5 à 6 millions haïtiens pas capable de faire qu'un discernement. On a qui était parlé de cette haine des pauvres qui a gouverné en Haïti. C'est-à-dire que nous toujours gagnons haine des pauvres. Nous voulons que les pauvres dans l'état qui est là. Nous voulons que les pauvres pas qu'on lit pas à l'école pour toujours être garé. Pour que tout aille voter pour un spaghetti, deux gourdes de riz, une bouteille d'huile. Pour que bah une capacité d'analyse et de compréhension pour comprendre que moun sa yo, mais moun qui te fait mal, moun sa m'pap voue moun sa sous pouvoir. Et je dis, l'aime parler de rôle éclair à la presse là, faut que nous disions clair aujourd'hui, pays a vécu un moment d'exception avec une crise totale, qui a des manifestations qui passent pour faire des gains dans la société, des déplacés, des gens qui ont souffert, des gens qui ont mouru. Faut que nous disions, Valestin, la presse n'a pas fait sans position également. Et moi-même, c'est ma position. Je la soutiens derrière ce micro. C'est ma position. C'est-à-dire que face au néant, face au vide, je préfère un conseil présidentiel que m'a encouragé processus de mise en place, li, processus d'installation li, et m'a forcé acteur à ce qu'il allait dans voir ça parce que pays n'est pas capable de faire choix du vide, pays n'est pas capable de faire choix du néant, pays n'est pas capable de faire choix des monstres, des anciens monstres. Des anciens monstres qui ont intérêt à ce que, je dis à seul intérêt, situation pourrie davantage. Qui dit situation pourrie dit davantage de pénurie, dit davantage de problèmes pour les plus faibles. Parce que à chaque crise, pays ça vive. À chaque crise, Haïti a vive. Les plus faibles, j'aimerais les où? Les anonymes, les oubliés de la République, c'est toujours eux-mêmes. Qui les grandes victimes. C'est toujours eux-mêmes qui les grandes victimes. Et ça m'a dit à soi, à acteurs qui impliqués dans le processus mis en place, conseil présidentiel là, nous avons un pays qui a mouru. Nous avons un pays qui a mouru. Nous avons une population qui est aux abois. Nous avons toutes sortes de pénuries là. De l'eau potable, gaz, manger. Je dis à manger tête nègre dans tout coin dans le pays d'Haïti. N'en parlons même pas pour les villes de province, Grand Anse, Sud, etc. Donc, il y a un effort qui peut faire. Et effort qui peut faire là, Ismaël Valestin. Je me dis autant de fois que je suis capable de faire ça. Il y a un effort pour nous sortir, pour nous donner une solution à la crise là, qui a un aspect conjoncturel. C'est-à-dire, pour nous arriver vers une gouvernance ordonnée de transition, mais après les débats sérieux en Haïti, faut que nous fassions. Et nous sommes parlé de questions d'alphabet. Il y a des milliers de débats pour Haïti faits. Et je crois que la presse peut donner le temps à ce niveau-là. Il y a des débats pour nous faire partage de richesses, instabilité politique, corruption. Faut que nous fassions. Et je crois que la presse le ton. Junior Jean-Baptiste, la nouvelle de ce soir, élection à Paris est faite pour nommer un président dans tête CPA, conseil présidentiel là. Sous 9 acteurs qui étaient présents, où on a gagné 2 observateurs, sous 9 acteurs qui étaient présents, il y a 5 seulement qui présentaient à Soya. En majorité, je dis à si pays y a un problème, la valance responsable parce que y a pas présent. Leslie Voltaire pas mettre pied dans activité a. Fritz Alphonse Jean pas mettre pied dans activité a. Dans élection a. Le secrétaire privé des affaires Laurent Saint-Cy pas mettre pied, pas répondre présent pour élection des fêtes à Soya. Et puis René Jean Gimeau. Il y a un dossier Petro-Caribe. $13 millions pour l'Ampadaire. Il n'y a pas de réponse présent. C'est ça qui fait l'élection pas déroulé à Soya pour nommer un CP, conseil présidentiel. Mais il prend rendez-vous
pour demain à 3h. Et si l'élection pas arrivé fait demain à 3h, il y a un gros scandale qui pète en dans CPA. Et voilà, c'est incapacité ça que nous tous souligner, incapacité que pardon, pour que acteur prend la mesure du moment, de l'instant présent, de crise existentielle que Haïti a vive jodia. Et on pas qualifier attitude monsieur Damio parce que Wild monsieur politique, c'est de grands enjeux, c'est contradictions, c'est tractations. Oui, c'est un peu ça. Mais jodia ça ne gagne qui les pays Haïti a, son existence est menacée. Parce que la bataille pour le pouvoir, il faut qu'il fasse ton côté. Radio faut qu'il fasse son territoire donné. Je veux dire, le territoire haïtien, il est contrôlé par des groupes criminels, pour me dire, une grande partie dans la région métropolitaine. Non.